Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Voilà, nous y sommes. Les vacances de Noël et dans quelques jours les cadeaux qui vont avec. Alors je vous avoue très sincèrement que je suis vraiment impatient de découvrir voilà tous mes petits cadeaux. Comme un gosse je suis et je ne changerai pas malheureusement. Enfin, heureusement pour moi du moins. Alors pour cette nouvelle revue, donc nous allons découvrir ensemble le troisième numéro donc des éditions Altaïa consacrées à la construction et à la présentation donc du montage du Dino Megazord. Voilà, petite pièce absolument superbe pour laquelle donc je vous avais fait une petite revue il y a quelques semaines, petite revue qui a bien marché d'ailleurs, et je vous remercie pour votre intérêt, ça m'a fait plaisir. Il y a eu, voilà, le rendez-vous a été vraiment un succès total. Donc aujourd'hui, hein, nous allons découvrir le troisième fascicule, ce qu'il contient, et bien entendu, au cours de la vidéo, donc le tuto de montage. Voilà, les présentations sont faites. Donc à présent, eh bien, que dire à part? C'est parti, let's go! Oh cool, une revue la Taïa! Oh super, en plus ça va être le super Dino Megazord! Oh j'ai hâte de voir un petit peu à quoi ça va ressembler tout ça! Ouais, moi aussi! Et je pense que je suis pas le seul! Bon bah écoutez les mecs, nous on vous souhaite une bonne vidéo, et puis bah on vous donne rendez-vous tout à l'heure! Allez, bon visionnage! Tchuss! Oui, chose. Et voici donc un petit aperçu donc de troisième numéro avec plein de petites choses sympas. Je remarque pour voilà avec satisfaction donc que nous avons encore le visage, donc une partie du visage à compléter. J'espère que du coup ça fera la totalité du casque. Et puis donc pas mal voilà, de petites choses, circuits électroniques et autres, des petits câbles. Tout est vraiment propre, hein, comme pour les deux précédents volumes que je vous ai présentés. Donc voilà. Ça sent bon la qualité, ça sent bon la finition, ça sent bon le souci de faire quelque chose de vraiment très respectueux pour ce fameux Dino Megazord, hein, qui est probablement l'un des Megazords les plus vendus à travers le monde. Voilà le petit fascicule, le numéro 3, donc au prix de 11,99 €. À savoir, comme toujours, hein, que cette série, cette collection, je vous la présente en avant-première, en partenariat avec Altaïa. Elle sortira officiellement donc courant février. Et n'oubliez pas, hein, et je mettrai tout dans la description, bien entendu, le lien direct d'Altaïa, donc sur le Dino Megazord et surtout le code promo Megazord, donc qui vous permet, si vous vous abonnez avant le 13 janvier, de pouvoir donc avoir en cadeau supplémentaire un sac à dos Power Rangers. Donc voilà pour la présentation voilà, du packaging, de l'emballage. J'ai ici donc la facture. Alors voilà, je vais cacher cette partie-là, donc qui nous indique bien, hein, qu'il s'agit donc du numéro 3. Alors si je vous fais, voilà, si je ne vous fais pas d'agrandissement, ça va être un petit peu galère pour vous. Donc il s'agit du numéro 3 en une seule quantité, bien entendu, et le tout, hop, le tout gratuit. Donc merci à Altaïa une fois de plus pour leur confiance. Donc voilà. Les présentations sont faites, nous allons à présent donc ouvrir le petit sachet et voir un petit peu donc le contenu de ce dernier. Yes! Petit rappel au passage donc de ce que contenait le premier numéro. Donc nous avions une partie du visage et du casque. Voilà, le tout en plastique et métal d'excellente qualité. Vraiment pour ça, j'étais vraiment épaté, hein, de voir donc le poids, le souci du détail, la finition et autres. Donc vraiment, voilà, pour ce qui est donc du premier numéro. Et pour le second, voilà, nous avions tout simplement donc une partie du torse, de la poitrine. Le tout là encore, donc, voilà, avec du métal d'excellente qualité et des plastiques ABS qui le sont tout autant, voilà, qui garantissent vraiment une robustesse, les finitions vraiment ultra soignées.
Donc voilà hein, pour le petit rappel donc des deux précédents numéros. Pour celles et ceux qui ne les auraient pas vus, donc je vous conseille hein, de faire un petit tour voilà, de quelques jours en arrière. J'avais fait donc une vidéo regroupant les deux avec le tuto de montage. Alors juste avant le montage, donc prenons connaissance avec notre troisième fascicule, numéro 3 comme indiqué juste ici. Alors nous avons tout d'abord, voilà, à l'intérieur donc le contenu de la boîte avec les accessoires, le plan de montage, comme toujours apparemment clair, lisible, compréhensible avec donc les photos pour vous aider pas à pas donc dans la construction voilà de ce personnage. Nous avons donc dans les dossiers d'Alpha 5 cette fois-ci une fiche concernant Zach Taylor. Voilà, bien expliqué, je présume. Ensuite donc nous avons également le résumé de l'épisode 3 avec donc le casting, les anecdotes, la fiche technique et autres. Le monstre présent, voilà, dans ce numéro 3. Et puis donc juste ici le petit roman photo donc avec les photos bien entendu et l'histoire en résumé. Voilà pour ce troisième fascicule et petit dossier de fin donc consacré au tokusatsu, donc le genre tokusatsu, bataille de géants. Voilà, concernant donc le fascicule numéro 3, nous retrouvons donc tous nos accessoires juste ici. Et nous avons, faites bien attention, nous avons donc deux petits sachets donc concernant des vis de différentes formes. Alors ne vous trompez surtout pas dans le montage. Vérifiez bien donc le type de vis nécessaire à l'emploi au fur et à mesure. Et puis donc vous aurez besoin également, voilà, du reste de la boîte, voilà, du reste donc du numéro 2 qui va servir donc à compléter ce numéro 3. Et comme toujours, en termes d'outillage, le tournevis fourni avec, qui vous suffira grandement. Si vous êtes un petit peu plus, voilà, équipé comme moi, n'hésitez pas donc à vous servir d'une brousselle, notamment pour attraper les vis et les placer. C'est toujours bien utile. Voilà, donc tout est prêt. Maintenant, eh bien écoutez, je pense qu'il est largement temps de s'attaquer donc à la construction et à l'assemblage du numéro 3. Yes, allez, c'est parti, let's go!
voilà, donc notre montage numéro 3 a terminé. Que dire? Eh bien écoutez, tout s'emboîte parfaitement, les finitions sont toujours aussi saillantes. Donc cette partie-là étant en plastique, vous avez vu que nous avons déjà placé une petite carte mère, pardon, à l'intérieur donc du visage. Trois connectiques, voilà, même quatre connectiques disponibles. Et puis donc, nous avons ici une partie, voilà, enfin nous avons ici les deux parties des cornes, à savoir que donc toute cette partie-là et cette partie-là, voilà, ces parties-là sont entièrement métalliques. Donc voilà, comme toujours, nous avons quelque chose de robuste et de solide en main. Donc voilà, hein. Le visage prend forme tout doucement, donc à voir ce que ça donnera par la suite. Mais personnellement, je trouve que ça s'engage déjà plutôt pas mal du tout. Voilà, voilà, j'assemble les différents éléments, nous avons donc voilà un aperçu de ce que va donner le résultat final de la tête. Tête qui est super lourde en main, c'est hallucinant, le poids juste de cette partie-là. Et puis donc bien entendu, hein, alors voilà, le montage n'est que temporaire, hein, puisque donc nous allons voir où vont se connecter donc les différents servo moteurs et autres, les petits, voilà, tous ces petits câbles. Mais voilà, ça n'augure que du bon. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette petite revue tuto plus présentation donc de notre numéro 3 consacré donc au Dino Megazord de chez Altaïa. Voilà. J'espère que cette revue vous a plu, vous a donné envie d'en savoir plus. Donc pour la suite, n'hésitez pas évidemment, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, voilà ce que vous avez pensé de ce petit tuto et de ce que laisse présager donc ce petit père, petit façon de parler. D'avance, je vous remercie pour tous vos petits pouces rouges qui me font, vous le savez, infiniment plaisir. Voilà, faites-vous plaisir également en me faisant plaisir, comme ça tout le monde se fait plaisir. C'est aussi simple. Voilà, je ne vous retiens pas plus. Je vous souhaite une bonne semaine et bien évidemment donc un bon réveillon de Noël si on ne se revoit pas d'ici là. Voilà, je vous embrasse très très fort et surtout n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. On veut la suite, on veut la suite, on veut la suite. Ouais, on veut la fuite, on veut la fuite, on veut la fuite. Ah, je sais pas pour toi, mais moi j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner tout ça. Oh, déjà, ça vous a de la tronche, n'est-ce pas? Ouais, franchement, ça a de la tronche. Moi, j'aime beaucoup. Alors, vivement la suite. Et merci, Altaïa. Ouais, merci. I would have waited an eternity for this. It's over, Proud.